Hi guys, I am the boss. Oh, ça fait grave long. Genre, ça fait vraiment longtemps. Ah, je dois vous demander un truc. Do you like my nail color? Like my nail color? My hair? Je tiens à m'excuser pour avoir resté longtemps sans poster des vidéos ici sur YouTube. Donc ça fait, on va dire, un mois et demi, je crois, deux mois, je sais pas. Mais bref, je m'excuse vraiment. Mais genre, je pense que je vous ai pas manqué, hein, parce que genre, j'ai pas reçu un seul message de vous en train de me dire ouais, pourquoi tu postes plus sur YouTube et tout. Enfin, je pense que je vous ai vraiment pas manqué. Genre, ça me fait trop mal au cœur. Il y a eu trois personnes, je crois, qui m'ont envoyé un message, qui m'ont dit pourquoi tu poses plus sur YouTube, qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi t'arrêtes et tout. En tout cas, on m'a dit ouais, pourquoi tu poses plus et tout. Du coup, moi j'ai fait bah parce que j'ai plus d'idées, genre j'ai vraiment pas d'idées. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas de laisser dans les commentaires des idées de vidéos que je dois faire, etc. Mais là, avant de commencer à faire cette vidéo, j'ai écrit plein de choses sur ce cahier là, mais à l'intérieur il y a un cahier, enfin un mini truc où j'écris des idées de vidéos et tout. Mais je pense que ça va vous plaire. Mais j'ai vraiment besoin de plus d'idées, qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube et tout. Enfin bref, là j'ai vraiment pas eu le temps de poster, de parler avec vous ici sur YouTube, parce que déjà genre au lycée, genre j'ai trop de choses à faire, et même pendant les vacances j'ai pas pu filmer parce que, comme je viens de vous dire, j'ai pas d'idées. Mais franchement là je reviens en bombe, genre je vais poster au moins une vidéo en deux semaines, genre voilà, un truc du genre. Et du coup là je suis là pour, comme vous voyez dans le titre, je suis là pour vous parler de cette année 2019. C'est bientôt fini, on est déjà au mois de novembre, aujourd'hui on est le 9 novembre. Donc voilà, je vais vous parler de cette année. Genre pour moi ça a été une année très pas difficile, mais genre ça n'a pas été la meilleure année pour moi non plus. Mais c'était un peu compliqué, mais j'ai quand même pu atteindre mes objectifs de cette année. C'était d'avoir 1000 abonnés sur Insta. Donc je suis actuellement avec, regardez, genre je suis archi contente, j'ai 1076 abonnés sur Insta actuellement. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vais laisser mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, mon Snap, Facebook, Insta, etc. TikTok, mais TikTok j'utilise plus, genre parce que je sais pas faire des TikTok, donc ça me saoule. Du coup bah j'ai regardé des vidéos, j'ai arrêté de poster. Mais je pense que je vais aussi revenir sur TikTok, hein, parce que genre je sais pas. Mais n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vais laisser toutes les informations que je vais dire là dans la barre d'infos. Je vais laisser aussi la dernière vidéo dans la barre d'infos, c'était la vidéo où j'ai vous montré mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai 17 ans au mois d'août. Donc voilà, du coup cette année ça a été une année bof. Ça n'a pas été la meilleure année, mais ça n'a pas été l'année la plus dure du monde non plus. Genre, j'ai pu atteindre mon objectif d'avoir 1000 abonnés sur Insta. J'avais aussi l'objectif d'avoir 1000 abonnés, et malheureusement, on est qu'à 295 ou un truc comme ça, un truc du genre. Et je suis triste parce que j'ai pas pu atteindre ce objectif-là ici sur YouTube, mais. Je pense que 2020, mon objectif pour 2020, c'est vraiment d'avoir 1000 abonnés sur, ou plus, hein, comme, ça dépend de vous, genre, et de moi aussi, bien sûr, mais genre, d'avoir 1000 abonnés ici sur YouTube et 2000 sur Insta. Et sur Insta, je suis vraiment très active. Mais genre, si vous voulez me parler, me donner des idées et tout, vous voyez que je poste plus ici sur YouTube, allez sur Insta, venez me parler, envoyez-moi un direct et tout. Genre dites vraiment, genre, Regina, pourquoi tu postes plus? J'ai une idée, est-ce que tu veux poster avec... tu peux faire cette vidéo-là, comme ça, comme si, genre, voilà. Et si vous voulez aussi faire des vidéos avec moi, bien sûr que je vais vous dire, bah oui, genre, bien sûr, donnez-moi des idées. Genre, si vous voulez faire des vidéos avec moi, si vous voulez apparaître ici sur ma chaîne YouTube, c'est avec beaucoup de plaisir que je veux dire oui, mais genre, bien sûr que oui. Mais genre, voilà, genre, j'arrête pas de dire genre, du coup, ça me stresse, en vrai. Voilà.
suis un peu triste par rapport à ma chaîne YouTube parce que ça augmente plus les likes, genre ça. Oh, ça a baissé de ouf. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais au moins 30 likes ou 60. Il y a une vidéo qui j'ai plus de 100 likes, un truc comme ça. C'est une vidéo en portugais. Donc là, ça a baissé vraiment beaucoup. Ça dépasse plus les 15 likes. Donc ça me rend hyper triste. Je sais pas qu'est-ce qui va pas. Enfin, je comprends pas pourquoi. Mais sur Insta, je suis plutôt contente parce que je suis active avec vous. Je poste souvent des stories, des photos. Donc mes abonnés augmentent. Mais je pense que c'est à cause de ça que je dois poster plus ici pour avoir plus d'abonnés et avoir un bon style de vidéo pour que vous puissiez liker, genre commenter, genre voilà, des trucs comme ça. Mais j'ai aussi besoin de vous, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube cette année, enfin cette année, en ce moment, genre l'année prochaine, genre 2020 quoi, genre j'ai hâte, genre cette année, genre ça s'est passé vraiment très très vite, genre je me rends compte que genre on est en novembre, genre il manque un mois pour qu'on soit pour être en 2020 quoi, genre ça s'est vraiment passé très très vite, genre voilà quoi. Mais genre j'ai reçu cette citrouille donc avec plein de bonbons à l'intérieur, genre regardez, du coup je vais manger un petit bonbon parce que je sais pas. Et, du coup genre c'est bientôt Noël, genre je pense que je vais faire une vidéo aussi où je vais vous montrer, comme l'année dernière j'avais fait une vidéo où je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, donc cette année, enfin l'année prochaine du coup en 2020, je ferai la même vidéo où je vais vous montrer mes cadeaux de Noël et tout, genre j'espère que cette année a été une très très bonne année pour vous et que ça s'est plutôt bien passé malgré les problèmes, les petits soucis que tout le monde a dans la vie, mais genre ça on est capable de on n'est pas capable d'oublier complètement genre, mais de laisser ça un peu de côté et de revivre, enfin de repenser à ces moments genre les moments les plus joyeux de cette année. Alors je vous invite à oublier tous les problèmes que vous avez eu pendant cette année de 2019 et à repenser, genre à penser seulement aux moments les plus joyeux de 2019, genre avec vos potes, les familles, les cousins, voilà, les chiens, les animaux, quoi, tout ça, genre les voyages. Moi, j'ai pu voyager, je suis allée dans le sud. C'est juste là, je suis venue pour vous dire que I'm back. Et donc, je vais poster plus. Je vais être plus active ici sur Insta, sur Snap, sur YouTube. Mais j'espère du coup que vous allez liker cette vidéo, partager beaucoup beaucoup la vidéo. N'hésitez pas à dire à vos potes de venir s'abonner sur ma chaîne YouTube. Allez-y aussi liker mes petites photos, je vais vous laisser mes petites photos que j'ai postées sur Insta partout là sur l'écran. Demain je vais faire une vidéo de maquillage parce que demain c'est le fiançailles de la fête de ma famille d'accueil du coup. Je vais faire une vidéo de maquillage, je vais poster, c'est pas pour YouTube, je suis désolée. Mais ça sera pour Instagram parce que voilà. Je sais qu'on met toutes les vidéos de maquillage sur Insta, mais du coup, ce sera la première vidéo. Ça sera peut-être la dernière vidéo de 2019. Du coup, la dernière vidéo de maquillage de 2019 sur Insta. Du coup, je vous invite à aller voir. Et voilà quoi, genre, j'espère que ça va vous plaire. Ça sera une simple vidéo. Vous allez voir et tout. Je pense que ça sera déjà posté quand je vais poster cette vidéo. Donc voilà, de toute façon je vous dirai soit dans la barre d'infos que j'ai posté déjà la vidéo de maquillage sur Insta, soit je vous laisser un petit commentaire en disant ouais allez voir la vidéo, genre bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous dis bisous et à très très bientôt mes boss.